à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant euh, un jeu qui a été allez, on va dire euh, le dernier des grands jeux certainement qui a pu euh, tourner sur euh, la Dreamcast, une sorte de de au revoir euh, magistral Sega GT. Alors Sega GT, c'est évidemment l'un euh, des concurrents euh, de Grand Turismo évidemment. Alors, euh, Sega GT, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, qui a beaucoup moins de véhicules euh, que euh, ne pouvait avoir euh, le grand tourismo concurrent de l'époque sur la PlayStation 2, évidemment. Mais c'est un jeu qui euh, va vraiment dans la technique aussi euh, du, des voitures, de, de la conduite. C'est euh, un jeu qui est passé à côté euh, de des joueurs pour la simple et bonne raison que il ne fonctionnait que évidemment sur la Dreamcast et que la Dreamcast à ce moment-là elle est déjà cuite morte et enterrée puisque ce jeu est sorti euh, 99 2000 2000 2000 2000 2000 99 2000 2000 99 euh, c'est où c'est écrit ah, c'est écrit là 2000 ok euh, donc évidemment tout le monde bah, soit a revendu sa Dreamcast pour s'acheter une PlayStation 2 avant que ça soit trop tard, euh, ou soit bah, vous avez les gens qui ont gardé leur Dreamcast mais qui n'ont plus acheté de jeux vraiment parce que bon, bah, <laughs> ça coûtait cher et ça sert à quoi d'acheter des jeux de toute façon sur une console qui est déjà euh, à moitié dead euh, Autant ça peut servir dans le futur, comme moi là en ce moment j'achète des jeux. Ce jeu là m'a coûté euh, 3 euros, je crois, même pas. 3 euros euh, pour faire un petit peu du rétro gaming, mais à l'époque évidemment, vous n'allez pas gaspiller votre argent pour acheter des jeux sur des consoles qui sont de toute façon euh, voués à disparaître. Alors, euh, ici c'est le Sega GT Homologation Spéciale. Alors, je sais pas s'il y avait une autre version que, que, que celle-ci. Euh, dans un coffret que vous pouvez voir ici. Alors c'est pas un coffret qui contient plusieurs CD, mais par contre qui, qui contient plusieurs livrets. Donc du coup, euh, ils n'ont pas eu le choix que de fournir euh, un boîtier aussi gros pour pouvoir mettre les deux livrets. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue euh, que je vais faire en deux parties scindées directement. Je vais faire la première partie avec donc la boîte et, et les livrets, puis vraiment une autre partie à côté avec euh, la vidéo du jeu. Parce que sinon, ça risque de faire une vidéo unique qui risque de durer trop longtemps. Bien, alors ici, vous pouvez voir les screenshots. Euh, vraiment, c'était du, vraiment du très très bon travail. Il n'y a, a rien à envier à Gran Turismo. Hein. Je, je le dis clairement. C'est un jeu qui avait eu une, je crois, euh, très très bonne note dans, dans, dans les différents tests. Genre 90 sur 100, euh, 9 sur 10, euh, 18, 17 sur 20, euh, 4 étoiles et demi sur 5, enfin, bon, tout ce que vous voulez. Enfin, C'est vraiment un très, 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 très bon jeu qu'a sorti Sega ici pour sa Dreamcast. Alors que, on aurait pu penser peut-être que. Étant donné quand même le projet qui a dû coûter quand même un bras à, à Sega pour, pour pouvoir faire ce jeu, euh, ils auraient pu très bien dire :« Bon écoutez, de toute façon la Dreamcast elle est morte, donc on ne va pas se faire chier à sortir le jeu, on abandonne tout et puis euh, on va se focaliser sur les autres plateformes. » Mais ils l'ont quand même sorti ce jeu et merci à Sega de l'avoir fait. Alors on y va, c'est parti. On ouvre disque euh, à la fois sobre et très beau, un très très beau gris. Là vous pouvez voir vraiment très très joli. En général, Alors, il n'y a qu'un CD, hein. il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un CD, ça suffit amplement, apparemment. Alors, nous avons le, la petite chose ici, toujours. Alors, il y a énormément de petites choses à vous montrer, donc c'est pour ça que ça, ça risque de prendre du temps. Hein. Alors, nous avons quoi Nous avons plein de choses. Voilà, donc là, on a déjà un premier livret qui est ici. On a toutes les petites merdas qui sont ici. Deuxième partie ici avec donc, pas de CD, avec un autre manuel qui est ici. Voilà. Bien, allez. Alors, on va commencer déjà avec cette partie-là. Alors, vous avez le fameux truc pour... Euh, le truc de satisfaction, j'imagine. Le nombre de points ici, si vous vouliez gagner des points. 300 points. Bon. Des stickers. Des stickers qui représentent les véhicules que vous pouvez posséder dans ces GT, mais je crois qu'ils ne sont absolument pas tous là. Parce que là, vous en avez 24. Vous avez 24 stickers et vous avez bien sûr bien plus de voitures que 24. Je ne sais pas exactement combien de voitures. 100. Vous avez 100 voitures. Donc là, vous avez que bah, un quart des voitures. Disponible, voilà. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas marqué le nom des voitures. Ils auraient mieux fait de le mettre parce que Sega GT, c'est très bien de, de recopier ça 10 000 fois, mais il aurait été quand même sympa euh, de marquer le nom des véhicules dessus. Le Dream Lineup avec Shenmue, ici. Alors Shenmue qui était Shenmue 2 d'ailleurs. Non, non, Shenmue 1. Euh, ici, tous les jeux qui étaient encore disponibles sur la Dreamcast. Sega GT, Biohazard, Code Veronica Room Mania 203, putain ça je sais pas c'est quoi qu'est-ce que c'est que ce truc Room Mania 203, waouh ça a l'air spécial ça. euh ta, 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 ta quel jeu je connais ici ça je connais pas, bon, ça c'est un jeu de danse d'accord ça c'est un jeu de qu'est-ce que c'est je... je ne sais pas c'est quoi euh, bla, bla bla. ok Bon, très bien, Crazy Taxi, ouais, NFL 2K, celui-là je l'avais, euh, le jeu de, de football américain, qui était quand même, les jeux de football américain qui étaient quand même assez populaires, alors ici on a toutes les, les sorties, Echo le Dauphin en 2000 aussi, euh, en juillet 2000, et puis après, bah, après 2000, et là on arrive déjà dans les dans, dans les derniers dans les derniers jeux de, de la Dreamcast malheureusement. Ensuite, alors ça c'est assez sympa. C'est en fait le menu du jeu qui vous est présenté en forme de. en forme de dépliant euh, pour bien voir les choses, comme, comme, comment, comment elles se passent. Euh, Championship, single race, easy class, normal class, art class, time attack, dual race, euh, les, les replays, euh, etc. Donc c'est plutôt... Bien fait. Ensuite, là, je pense que c'est le mode carrière avec les licences, etc. Donc, c'est sympa d'avoir fait ce, cette petite chose, euh, bah, le menu entier du jeu qui est dans un dépliant. Donc, ça, c'est sympa. Euh, voilà pour ça. Ensuite, alors, vous avez deux bouquins. Vous avez un bouquin qui va vous expliquer un petit peu la technique de jeu et euh, un bouquin qui est ici, qui, vous a, qui va vous expliquer un petit peu les menus du jeu et les interfaces et tout le merdier. Alors, les bouquins sont extrêmement épais. Alors, celui-ci est un peu moins épais que celui-là, mais celui-ci fait déjà 62 pages. Et celui-ci qui est, il me semble être plus épais, voilà, 78 pages. Donc, on est parti. On va faire ça rapidement. Alors, déjà, on commence avec une belle... Petite image là qui est tirée du jeu, je pense. C'est pas oui, c'est tiré du jeu. Ça, c'est pas du tout euh, une photo. Alors, comment conduire plus vite Alors, évidemment, ça c'est écrit en anglais et après c'est en japonais. Donc, ça ce sera toujours quand même quelque chose qui me Alors, le, le bouquin est magnifique, hein, toujours euh, parsemé de photos. Donc, là, la Mazda accélération. Donc, là, on vous explique un petit peu comment jouer et comment bien prendre les virages, etc. Donc, ça, c'est. Euh... C'est vraiment génial d'avoir fait ça. Alors, apparemment, c'est quand même quelque chose de très, 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 très euh, technique. Puisque vous voyez, on peut, euh, il y a différentes euh, pressions au niveau euh, aérodynamique. C'est très, très, très bien expliqué. Alors, c'est très bien expliqué en japonais, évidemment. Vous ne comprenez pas. Mais euh, moi non plus, d'ailleurs. Hein. Alors, là, on vous explique le drift. Il y a plusieurs types de drift plus. c'est euh, Ce jeu est extrêmement euh, technique. On n'est plus du tout là dans l'arcade, on n'est plus dans du Sega Rally ou dans du Daytona USA. Clairement, on est dans du, euh, du très 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 technique, très très bon. Alors je ne sais pas du tout à quoi ressemblait la, la, la notice en français. Euh, je ne sais pas si elle était aussi précise que ça. Euh, parce que je n'ai jamais eu ce jeu euh, en version française. Je ne l'ai découvert que euh, bah, sur euh, ma Dreamcast actuelle japonaise et j'avais copié le jeu en plus. Donc euh, voilà, mais là je l'ai en version originale. Je trouve que cette notice est extrêmement bien. Euh... Elle est très bien illustrée et puis en même temps elle a l'air elle extrêmement précise. C'est euh, l'avantage. Alors là, vous avez... Je pense que vous avez toutes les voitures. Putain, il y a des Daihatsu. Qu'est-ce qu que ça fout bah, De toute façon, ça, ça va être les voitures du début, je pense. Oui. Euh, Daihatsu, wow, ça pète. Ça. Daihatsu, Toyota, Toyota. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a On a une Nissan, évidemment. Bon. Les Nissan. La Skyline, évidemment. GTR. Honda, Mazda, Mitsubishi, alors c'est très asiatique évidemment, très asiatique, très coréen, très euh, japonais. GTC 1999, je ne sais pas du tout ce que c'est comme, euh, comme type de bagnole ça. Voilà. Donc là après vous pouvez changer euh, les... Vous pouvez donc... Faire évoluer votre voiture euh, au niveau du pot, au niveau euh, de la transmission. Clutch, je ne sais plus c'est quoi clutch. Euh, la suspension, le stabiliseur, les freins, les pneus, le volant, la direction, etc. Là nous avons les euh, circuits. D'accord Le sprint zone, le solid circuit, le sky Peak track. Euh, Sky Peak Hill, Great Road Road, Deep Road Road, Snow Hill Mountain, bien, il y a quand même pas mal de, de tracés, Night Ground, Night Session, Night Session B, Heat Stage 1000, and this way, oh là là, il y a quand même pas mal de petits trucs, et euh, voilà, Alors on a énormément de petites choses là, c'est... Euh Très, très 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 précis voilà donc ça c'est uniquement le bouquin qui vous explique un petit peu la technique de conduite euh, comment conduire comment régler votre voiture ça c'est vraiment un bouquin spécifique pour euh, les voitures et ensuite vous avez un bouquin qui lui est plutôt spécialisé dans le euh, ben, dans tout ce qui est euh, le menu du jeu voilà avec un en plus un, un papier qui est excellent très très bonne qualité Tout est en couleur, tout est magnifique, vraiment c'est très 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 bien fait, Sega GT, ici. Alors le mode championnat, les licences évidemment comme dans Grand Turismo, les tests de conduite, extrêmement complet ce jeu. Alors peut-être qu'un jour Sega, Sega fera un autre Sega GT sur les, sur les futures consoles, peut-être. Qui sait ce qui serait énorme, parce que le Grand Turismo, malheureusement, euh, part de plus en plus en couille. Euh, ce n'est plus le Grand Turismo qu'on a connu, hein, parce que Grand Turismo, c'était extrêmement euh, simulation, euh, c'était euh, c'était très ardu à conduire, ça devient quand même beaucoup, beaucoup plus euh, type arcade, même si ça reste, euh, bon, quand même, pas de l'arcade pure. Mais par exemple, le Corsetta sur PlayStation 4 est quand même largement au-dessus en termes de simulation que euh, grand turismo sport voilà donc là on vous explique en plus très très bien avec les schémas regardez ça un petit peu les schémas qui sont bien bien définis ici pour vous expliquer qu'est-ce que vous changez ce que vous changez réellement sur la voiture est-ce que ça peut apporter Ça c'est des images tirées du jeu, franchement c'est du très bon. Je regrette de ne pas avoir acheté ce jeu à sa sortie parce que je pense que j'étais un petit peu... Voilà, j'étais... Je me suis mis sur d'autres consoles, je pense notamment la GameCube. Euh, bon, la PlayStation 2 aussi, évidemment. Mais bon, évidemment, comme j'ai été énormément déçu de la, de la fin de vie de la Dreamcast. Je veux dire, j'étais un petit peu dégoûté de ces gars. Je me suis dit, putain, ces gars, vous chiez dans la colle, c'est pas possible. Vous avez chié dans la colle avec le Mega CD, vous avez chier dans la colle avec la Saturn. et vous rechiez dans la colle avec la Dreamcast. Vous m'emmerdez. Donc, eh bien, si c'est comme ça, ben, je vais aller voir ailleurs. Même si j'aime toujours Sega, évidemment, c'était pas, pas le problème. Mais bon, c'est... Quand on achète une machine et que la machine s'arrête au bout, euh, on vous dit que la production s'arrête euh, au bout d'un an, euh, ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. Voilà. En tout cas, c'est clair que sur les coffrets ici euh, et sur les livrets, Sega était, je pense, bien au-dessus de, 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 de Sony euh, sur les, euh, voilà, sur tout ce qui pouvait être présentation du jeu, les coffrets, etc. C'était vraiment bien, bien, bien. On ne se foutait pas de votre gueule, en tout cas, euh, sur les notices, ça, c'est sûr et certain. Très très belle ici illustration du jeu. Bon, vous avez évidemment plusieurs positions de vue. On a quatre vues différentes ici, ou trois. La position pilote, la position derrière, assez proche, et la position à l'extérieur. Mais je pense qu'il doit avoir aussi la position au ras du sol, je pense quand même. Ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas. Voilà, très très joli. En plus, ils ont toujours le goût, Sega, de vraiment bien illustrer, de prendre vraiment les bonnes couleurs, les bonnes photos d'illustration. Regardez cette photo quand même, qui est, euh, enfin, cette image d'illustration qui est très très bien faite. Ah, okay. Alors, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que les voitures qui sont choisies par, euh, par euh, Sega GT... Sont des voitures qui sont peut-être trop asiatiques. Il n'y a, a peut-être pas assez de Ferrari ou de, de Maserati ou de, de BMW ou de Mercedes. C'est peut-être ça aussi qui peut un petit peu pêcher par rapport à Gran Turismo qui avait un choix de voitures euh, hallucinant. Et peu importe les pays, hein, ça pouvait être des, des voitures de type européenne, américaine, asiatique. Euh, voilà, donc c'est. C'est un petit peu ça aussi qui fait que je sais gagner hein, et, et passer un petit peu à la trappe par rapport à Grand Turismo, parce que bon là vous êtes quand même assez limité en termes de région de voitures. Hein. Vous n'avez pas non plus des voitures de ouf. Euh, mais bon, excusez-moi, Nissan, Honda et Toyota font quand même des voitures extrêmement puissantes, extrêmement jolies et qui peuvent coûter aussi la peau du cul. Pas besoin d'être italien pour avoir des voitures qui coûtent la peau du cul. Hein. Euh, voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin, délivrer. Voilà, là vous avez toutes les catégories pour changer votre euh, paramétrer votre voiture. Okay. Extrêmement complet. Et voilà donc pour ces deux petites notices et ce coffret euh, Sega GT. Homologation, homologation spéciale. Et euh, donc je vais faire une vidéo à part, parce que là on est déjà, je ne sais, sais pas combien de minutes, mais enfin on est déjà à loin. Donc je vais faire une autre vidéo qui va être séparée de celle-ci pour vous présenter en vidéo une petite, une petite démo, euh, allez on va dire de 10-15 minutes, de Sega GT. Allez à tout de suite euh...